Bienvenue sur les championnats de Belgique de cyclisme sur route 2008. Nous sommes sur le circuit de Knokke Heist, 254,6 km au total à faire sur ce circuit tout plat. 19 tours de circuit de 13 400 km au programme. Le grand favori bien sûr, c'est Tom Bonen, champion du monde 2005, deuxième en 2007, troisième en 2006 et vainqueur notamment au sprint de deux étapes du Tour de France 2007. Donc la formation Quick-Step est très attendue. Le peloton a repris l'échappée matinale de 6 coureurs. À 60 km de l'arrivée, 4 coureurs vont s'extirper de ce peloton. Il s'agissait de Keux, Powers, Neuens et de Schroeder. Malheureusement pour eux, ils vont être repris bien avant le dernier tour, puisqu'au sein du peloton, la formation Silence Lotto et surtout la Quick-Step emmène un peloton maintenant dans ce dernier tour. Certains coureurs vont tenter de s'échapper, mais on va donc assister à un sprint massif pour couronner le champion de Belgique 2008. Vous voyez ici un peloton assez important, donc il va arriver dans la dernière ligne droite. Il va avoir une énorme chute au sein du peloton dans ce sprint final, et bien emmené par son équipier Greg Van Avermaet, et bien Jürgen Rolands, 22 ans, remporte sa première victoire professionnelle. Lui qui avait fini deuxième de Nocoré Corse, 5e du Tour du Qatar, 6e du Tour d'Algarve, et bien Jürgen Rolands s'impose après 5 heures et 56 minutes de course devant Sven Van Turenhout de la formation Sunweb Pro Job, et la troisième place revient à Nico Eckhout de la formation Chocolat Jacques. C'est le deuxième titre de champion de Belgique pour Jürgen Rolands, puisqu'il a été sacré en 2002 dans la catégorie junior. Ciao tout le monde.